Avec Alien, fini le tri manuel usant et fastidieux. Ici, la table est entièrement automatisée. En sortie des rafloirs, la vendange passe par une boîte noire où elle est prise en photo. Un ordinateur interprète alors l'image et repère les débris ainsi que les baies roses. Les coordonnées des indésirables sont envoyées à deux bras mécaniques, munis chacun d'un bec aspirant, capable de faire jusqu'à 4 mouvements par seconde. La dépression est assurée par un aspirateur cyclone industriel situé à l'arrière de la machine qui récupère les déchets. Et en cas de bouchage des becs, la tête se dirige vers une buse de nettoyage. Bien qu'il soit fonctionnel, le prototype nécessite encore de nombreuses améliorations afin d'optimiser la qualité de tri et le débit. Dès l'an prochain, l'entreprise CITF devrait être en mesure de lancer une machine en pré-série pour un coût qui devrait avoisiner les 150 000 euros.